fait une mauvaise chute à la barre fixe et j'ai glissé vraiment en rattrapant un lâcher de barre. Kunnen dat ik heel kwaad was toen. We proberen vooral rustig te blijven, dat is key factor 1. Je pense à l'équipe parce que tous les points comptent et chaque chute compte aussi dans le score total. Maar uiteindelijk had ik nog wel een goede proefening gedaan, dus. De val op het belangrijkste moment dat ik al heb meegemaakt was nu afgelopen WK in Liverpool. Ben ik met mijn opsprong gevallen op balk. En ja, ik was de eerste van het team die op dat toestel moest beginnen. Het was het eerste toestel van de wedstrijd, dus dat was ook wel gewoon zo ja, ambetant om zo met een val die competitie in te zetten. Maar uiteindelijk had ik nog wel een goede proefoefening gedaan. Dus. En ik weet ook dat Nina altijd heel boos is als ze een val doet, want ze zegt ook altijd, papa, het was een domme val. Want ja, als ouder kun je daar moeilijk op dat moment ook in helpen. Dus op dat vlak heeft zij altijd haar zichzelf eruit getrokken. J'ai fait une mauvaise chute à la barre fixe et j'ai glissé vraiment en rattrapant un lâcher de barre et ça m'a fait une double fracture du nez. Pas forcément le plus douloureux que j'ai connu, mais très impressionnant et surtout quand on se regarde le lendemain dans le miroir avec les yeux enflés, le nez de côté. Une chute qui m'a marquée, c'est celle aux Jeux Olympiques à la finale par équipe. Je commence ma poutre et je tombe au premier élément, ce qui est très dur mentalement parce qu'on doit faire tout l'exercice derrière. De manier waarop we nadenken als we iemand zien vallen, hangt een beetje van de situatie af. Als we iemand zien vallen op een wereldkampioenschap bijvoorbeeld, of de laatste voorbereiding op een WK, is heel iets anders dan dat we iemand zien vallen in het begin van het seizoen, omdat de consequenties natuurlijk helemaal anders zijn. Il y a une chute en gymnastique qui m'a beaucoup marqué, c'était lors des Jeux de Rio. Il y a Sami Raït Saïd qui a fait une très grosse chute au saut de cheval. C'était des images assez impressionnantes. J'en ai même un peu des frissons rien qu'à en parler parce que voilà, c'est un sport individuel, mais je veux dire, même quand ce sont nos concurrents, une chute, on reste humain, quoi, et surtout avec ce genre de blessure. Une fois que j'ai chuté, je dois remonter directement sous la poutre parce qu'on n'a que 10 secondes, donc c'est très court. Et il faut direct se concentrer sur la suite et puis faire ce qu'on a à faire et ce qu'on sait faire. Mais c'est vrai qu'on est très déçus sur le moment. Wat ik meestal doe, is ik val. Even gewoon diepe ademhaling, even goed uitblazen en dan gewoon oké. Terug op je toestel gaan en zo goed mogelijk proberen afwerken. Maar het is gewoon iets van, kijk, dat gebeurt. En hetgeen wat je moet doen is het gewoon zo snel mogelijk achter je laten en verder gaan. C'est là où on grandit. Ça nous permet de prendre un peu de recul, d'analyser la situation, de peut-être revoir la stratégie en fonction quand on réadapte le calendrier, etc. Et puis on apprend beaucoup sur nous-mêmes parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut un peu s'accrocher. On est un peu sur le côté pendant ces périodes-là, mais je pense que c'est aussi dans ces périodes-là où on apprend à forger son caractère et que ça a une grande importance dans la suite du parcours de tout athlète. On apprend à se ressaisir et je pense qu'on peut quand même en ressortir plus fort. Ik denk, uit iedere fout die je maakt of die ze maakt, kan je bepaalde dingen leren. Ça m'a permis de me refocaliser sur d'autres objectifs et je pense que ça a un bien au final dans mon parcours de gymnaste.